Bonjour tout le monde, ici Fred Arrache de Game-Focus.com en compagnie de René Cadieux. Bonjour René. Salut. René, dernièrement, tu t'es rendu à un événement organisé par nos copains d'Ubisoft parce que on a lancé un jeu qui est un croisement avec les personnages de Nintendo. C'est toujours trippant hein, quand les compagnies de jeux font ça. Là, donc, on peut dire deux personnages emblématiques ou une série de personnages emblématiques, hein, les lapins crétins, parce qu'ils sont plusieurs, ouais. Et Mario, bien sûr. Donc, avant de parler du jeu comme tel, parce qu'aujourd'hui, René, ça va être le test de ce jeu-là. Je voulais quand même parler brièvement de l'événement de lancement du jeu. Donc, c'était quoi exactement? C'était à Montréal, c'est ça? Oui, c'était à Montréal. Bien, plus exactement, à Pointe-Claire-Laval, dans le centre des lapins crétins. Ceux qui ne connaissent pas le centre des lapins crétins, c'est un centre un peu comme les cachalots, les affaires comme ça, mais avec la folie des lapins crétins et l'humour des lapins crétins. Un genre d'activité pour la famille, en quelque c'est sorte. C'est ça. On va là-bas avec la famille, il y a de la nourriture, il y a des jeux en masse à des petites balles, des trucs de réalité virtuelle, des trucs pour les enfants. En tout cas, bref, ils ont de quoi s'amuser. Eux autres rentrent là-dedans, c'est le paradis. Oui, si le parent, on s'ennuie un peu, mais malgré que là, pour l'événement, il y a des fois, il y a des bornes de jeu, des affaires là-même, puis qu'on a de quoi s'amuser pareil. Mais c'est davantage pour eux qu'on va, de toute façon. C'est accès famille, c'est accès enfants, mais ça reste un centre vraiment plaisant, et vraiment intéressant. Pour cet événement-là, est-ce qu'on avait amené des personnages à la fois de Mario aussi, ou c'était ça criait plus oui. La main crétin? Ben, dans le fond, il faut souligner que l'endroit, c'est un an d'existence aussi. Fait que c'était les un an du centre d'amusement de la lapins crétins. Et pour l'occasion, quoi de mieux que de faire un endroit de lancement pour le jeu Mario, plus lapins crétins, le roi Kingdom Battle, un jeu qui met un crossover, si on veut, un mix des deux. Et oui, il était présent, on avait Mario qui était présent et on avait les lapins crétins qui étaient présents sur les lieux. Fait que ben, les lapins, un gros lapin crétin, puis l'ambiance de la folie des lapins. Là, on veut penser que c'est des petits rabat-joie, là. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, assez pour ça, on a compris que c'était le lancement, donc un événement drôlement intéressant. On y était, bien sûr. Alors, le jeu est officiellement sorti. On a bien hâte de t'entendre. D'abord, c'était quoi, sur Switch? Oui, un jeu exclusif à la Switch. Ouais. Un jeu aussi qui a été développé par Ubisoft Milan et Ubisoft Paris. Au début, je vais être franc avec toi, j'étais pas intéressé vers le jeu. Je me disais... Qu'est-ce que ça va être? Comment ça va être? Les lapins crétins, on sait qu'ils sont un peu fous, un peu barjot, puis Mario, mais c'est un univers qu'habituellement, on n'ose pas trop toucher. Mais... Exactement. T'as touché exactement là où je voulais m'en aller. D'habitude, Nintendo est assez réservé sur sa marque, sur ses personnages. On fait attention. Oui, des petits crossovers. On a vu avec Sonic, puis c'était sympathique, ouais. Mais ça reste habituellement assez contrôlé, puis bon, dans ce cas-là, est-ce que ça passe? Dans ce cas-là, c'est oui. On dirait que les gens de Nintendo ont décidé de dire, gars, vas-y, amusez-vous, faites ce que vous voulez ou presque. Faites confiance. Avec les enfants, on vous donne les bonhommes, on vous laisse les personnages, puis amenez-nous de quoi. Puis le projet, tu sais, honnêtement, moi, j'ai les jeux de combat de même à tour par tour, j'ai un peu de misère parfois. Aussi. Puis celui-là, je le pris en main, la prise en main, puis tu fais, aussitôt, tu es envahi par la magie de Mario et des lapins crétins, oui. Tu sais, c'est comme pas un jeu le fun à regarder pour quelqu'un sur la grosse écran, honnêtement, à part les enfants qui trippent, là, mais la conjointe, peu importe, vont peut-être faire comme ouais, c'est un peu moins intéressant. Mais dès qu'on commence à y jouer, dès qu'on a le jeu en main, on commence à faire comme wow, c'est le fun, on a du plaisir, puis on décroche pas, là, on embarque, puis l'humour on a est du plaisir avant hein? Ça. L'humour est là, c'est la folie. Dans le fond, l'histoire, si on veut, c'est les lapins crétins, ils découvrent un genre de machine qui va tout mixer les trucs, puis qui vont se ramasser dans l'univers de Mario, à tout foutre le bordel là-dedans, tout est en envers, les tuyaux qu'on est habitué de voir avec les plantes vertes, c'est rendu des tuyaux avec des langues, des oreilles de lapin, Donc, les lapins crétins ont envahi l'univers. Ah, le monde de Mario, le royaume des champignons, puis on sent, tout est là, puis ce qui est le fun, c'est que c'est ça, côté esthétique, toute l'esthétique de Mario, des jeux Nintendo, et là, c'est beau, c'est coloré, c'est attrayant pour le regard, tu regardes partout, comme il y a quelque aussi, chose j'imagine. Partout, ah. Les sons, les plantes, il y a des clins d'œil partout, il y a des plein de choses reprises, plein de dommages dans le jeu qui sont là dans le visuel, fait que c'est vraiment beau. La musique, c'est vraiment bon, la musique est captivante, on a la musique un peu loufoque, un peu lapin crétin, un peu qui nous garde dans le jeu. Bref, au niveau du son, on a les lapins crétins qui font des conneries, qui disent des affaires, puis leur fameux rah, on entend la profusion, puis c'est là, puis tu sais, comme des fois on voit aussi dans la bande-annonce la princesse Peach, lapin.
Elle fait des conneries. Elle est tout le temps en train de se prendre en photo avec son téléphone. Elle est en train d'exploser, elle se prend en photo, elle Parce court, elle se qu'on prend a en photo. l'équivalent de la princesse en lapin, bien Oui, c'est sûr. ça. René, On va lui. Vas-y, oui. non, mais la question que je voulais te poser, parce que je voulais revenir sur. Je pense qu'on a bien compris le bout où est-ce que bon, les lapins crétins ont envahi, puis tout ça. C'est sur la mécanique de jeu spécifiquement que j'aimerais t'entendre, parce que je pense que c'est ça que les gens veulent savoir à la maison. Là, on n'est pas tout à fait comme un jeu de un platformer Non, ordinaire, là. c'est ça, c'est pas tout à fait, ceux qui connaissent les franchises XCOM, tout ça, on n'a pas tout à fait, c'est inspiré, mais on n'a pas affaire à ça exactement. On a vraiment un jeu où c'est que, on va avoir, mettons, oui, une portion exploration, on va se promener, on va explorer le monde, on va ramasser des scènes, on va ramasser des affaires qu'on va pouvoir dépenser pour s'acheter des objets plus tard. Puis on va faire des combats, il y a les portions combat contre les lapins crétins, c'est là qu'on va user de la stratégie. Oui et non, des fois on peut foncer dans le tas, mais ça va mieux avec la C'est pas un peu stratégie. difficile pour les jeunes, ça, René? Non, c'est ce qui est étrange en même temps, c'est que oui, le jeu devient difficile à force de jouer, mais la prise en main est facile, la prise en OK. main est le fun. J'en ai un ici, un des plus jeunes a 8 ans, puis lui a embarqué dedans, il comprenait. Oui, tu sais, je le regardais jouer, j'étais comme, tu sais pas pantoute ce que je fais, mais tu passes au travail des tableaux, tu sais, j'étais comme, non, tu devrais faire. Puis là, j'ai dit non, je vais le laisser faire, je le regardais jouer, Ouais, j'étais c'est ça, comme, tu t'es mis comme un vas-y. peu dans le Là, je siège du regardais, moi, j'ai dit, je vais me spectateur. Tu t'es dit, tasser. je vais voir si c'est efficace. C'est ça. Dans le fond, c'est ça le meilleur Ça test, c'est il René, passait au travail des c'est tableaux, ça? l'histoire venait le chercher, l'humour des lapins venait le chercher en partant l'humour, les textes, ce qui est apporté est simple d'approche, puis ça va les chercher. Mais oui, le jeu devient plus difficile, on avance, on débloque les bonhommes, souvent les combats, ça va être éliminer les lapins ou escorter quelqu'un à une zone, ou se rendre à une zone X. Fait que tu sais, il va tout le temps avoir du combat, mais c'est de la stratégie. Ce qui est le fun, c'est qu'au début du jeu, on commence avec Mario, un Luigi lapin crétin et Princess Peach lapin crétin. Puis ceux-là, c'est notre équipe de départ, si on veut. On va débloquer d'autres personnages au fur et à mesure du jeu. On va débloquer aussi des nouvelles armes parce qu'on a des genres de gros fusils. Moi, personnellement, ils me font penser aux fusils de Halo, là, mais c'est moi, personnellement, un genre de gros blaster avec des affaires. Mais tu sais, ça change. Il y a des personnages qui ont des genres de sniper, mais ça va rappeler d'autres Mais ça doit instruments. pas Là, être je peux pas les. des missiles qui tirent Non, habituellement, non, ou non, c'est pas des siphons de des. toilette ou des trucs de même. C'est genre de. Même pas, c'est. C'est comme un laser qui tire ou un petit truc Ouais, de laser OK. parce que tout ça passe un jeu un peu virtuellement OK, je comprends. ce qui a fucké le monde des lapins crétins, si on veut. C'est C'est un casque virtuel. virtuel. OK. On le voit dans l'intro, une longue intro intéressante. Fait qu'on voit ça, puis tiens, on va débloquer diverses armes, on pourra acheter des armes, il y a des armes qui vont lancer du miel, d'autres qui vont. Tu sais, peu importe, On a quelques plus on va petits avancer, éléments plus on va. RPG ici, l'on peut Oui, il y a ça, il y a un améliorer. arbre des compétences qui est très bien fait, qu'on va pouvoir justement améliorer certains aspects des personnages. Puis on va pouvoir dire, bon, mais moi je garde ce personnage dans mon équipe, on y va. Fait qu'il y a plusieurs modes, il y a vraiment un truc intéressant pour tout le monde. Je m'en voudrais de ne pas te parler de la coopération, parce que souvent les jeux Oui. des lapins crétins, on aime vouloir soit les jouer en party ou au moins à deux. Est-ce que c'est le cas ici? On peut-tu. Ça, je te disais, ça a été un peu ma déception au début, parce que j'aurais aimé pouvoir faire l'histoire à deux, mais on peut pas. Mais à la place, on nous a offert un coup qu'on a terminé Le le mode premier histoire. chapitre, on nous offre justement non, pas le mode histoire, juste le premier chapitre, on nous offre un mode coop, qu'on va avoir des défis à relever. Notons, ça va être le même principe de jeu que l'histoire. On est comme dans une zone virtuelle, puis avec notre coéquipier, avec notre ami, on va séparer la Joy-Con en deux, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir. On peut jouer avec le Pro Controller, puis la manette, les deux Joy-Con pluggés à la manette, là, mais on peut aussi jouer avec les deux Joy-Con séparés, puis on va avancer. Ça va être de la stratégie encore. On va avancer justement les tableaux, puis rejoindre telle zone où il y a tous les ennemis à deux, Ça, mais c'est ça, c'est comme. intéressant. Ça veut dire que dans la voiture, les jeunes peuvent jouer à côté Oui, de c'est l'autre. ça. Ils peuvent jouer, ça divise en deux. Chacun a deux pas. Non, mais mettons, je prends, on va dire, Mario et lapin crétin Luigi. L'autre va prendre Princess Peach et un personnage autre. Puis, on va avancer tous les deux. Puis, les deux, on va jouer notre tour en même temps. Mettons, moi, je vais jouer mes coups. Là, je vais dire, OK, il joue le tien. Là, il va jouer son coup. Là, je vais jouer le coup de mon autre bonhomme. T'sais, on peut le décider de même. On peut jouer nos deux bonhommes. Il va jouer ses deux bonhommes. Puis après ça, c'est à l'ennemi d'attaquer. Ce qui est le fun encore là dans les combats, c'est que. T'as l'impression que je me disais, ça va être répétitif des combats. Ce jeu-là, c'est souvent ce qu'on chiale de ces jeux-là. Mais dans celui-là, non, parce qu'on peut se servir de notre partenaire pour sauter, atteindre une zone plus OK, haut, sur les à épaules, tirer tout de ça. hauteur. On peut, un paquet de trucs qu'on peut faire, la stratégie. On peut tirer des caisses qui vont exploser. On peut aller prendre l'ennemi, comme, admettons, faire le tour avancé, cliquer sur l'ennemi. On va glisser, on va lui donner un coup. Après ça, se placer un peu plus loin à couvert, le tirer. Il y a plusieurs trucs, il y a plein de stratégies qu'on Qu'on peut peut faire. Puis il y a découvrir. aussi une option stratégie avant d'amorcer le combat et l'option combat. On prend tout de suite le combat direct. Fait que c'est vraiment intéressant. Si on l'a dans le mode histoire et dans le mode coop, si on veut, Donc ça serait intéressant. ça semble être bien conçu. Oh, Est-ce oui, c'est ça. que on a ajouté quelque chose en ligne ou Non. on est local?
On a en ligne, c'est qu'on va avoir des DLC. C'est un peu ce que je trouvais plate. Ça aurait été le fun de pouvoir jouer en ligne avec quelqu'un, justement, ces C'est modes-là. encore Ou modeste la Switch à ce niveau-là. On dirait que oui, les mais. développeurs sont frileux encore, hein? Mais ça reste encore. On sait pas où que ça s'envoie on sait comment s'envoie l'Internet de tout ça, mais tu sais, en dehors du Wi-Fi et de la Switch, Ouais, ça c'est va-tu encore marcher? timide, là. Ouais, puis là, tu sais qu'on veut faire payer pour le service en ligne Ah, c'est ça, éventuellement, est-ce que donc. le monde va embarquer? Fait que d'après Ouais. moi, on se la joue safe. Puis pour cela, je te dirais, c'est un bien et un mal en même temps, parce que ça aurait été le fun de pouvoir jouer contre des amis, mais ils ne sont pas à la Absolument. maison. Mais c'est un bien pareil, justement, parce que ça t'enlève cette peur-là si le bien Peut-être payant, pour pas de un privilèges. deuxième, s'il se vend Ouais. bien, ben là, il y À a noter que console. les animaux, hein, les amiibos ils marchent dedans, ils donnent des petites Ah, affaires de OK. plus, des trucs de même. Oui, C'est mais ils un sont bon encore point. là. Faut avancer dans le jeu, le débuter pour justement débloquer. Disons OK. que le premier chapitre, il te prend par la main, puis on te montre ça, mais Après il y a ça. plusieurs, oui, chaque monde, si on veut, sont composés de 9 chapitres. C'est qu'on a genre ceux qui ont peur de le passer en une journée, c'est Donc, oui, si tu le joues vraiment longtemps. je comprends, René, que Nintendo a laissé les clés de la maison à Ubisoft, puis ont Ah, dit, oui. allez-y, on part, là, on vous laisse le Ils ont fait une contrôle. Ah, belle ben, job, ils ont coudonc, c'est laissé ça intéressant. propre. Ben, laissé ça propre, on s'entend avec les lapins crétins, mais tu sais, ça, Ouais. ils ont gardé ça vraiment Ouais. intéressant. Puis ils ont fait de quoi un jeu que tu n'aurais jamais vu, justement, puis penser que Nintendo aurait fait sans être Rien qu'il y a méchant, parce que tu sais qu'ils quelques sont plus années, conservateurs, il aurait hein, pas c'est fait ça. ça. OK, pour toutes ces raisons, René, tu lui attribues Ah, quoi? un gros 9 sur 10. Et un gros merci. Donc ça, c'est déjà disponible. Oui, depuis le 29 août. Depuis le 29. OK, on se retrouve prochainement pour un autre test. Merci, René. Bye bye tout le Bye. monde.